renseignement financier UCREF te exige une enquête reprise ouvrée. Osmi la petit frère te li même boudé invitation juge instructeur. Cabinet avocat te écrit cabinet d'instruction pour te dire li gen problème santé, li pas capable présenter. Et ceci pendant deux fois. On pour une fois lui voyer certificat médical et la trier. Li te mandé à travers cabinet avocat pour faire un juge de paix tendre l'autre bord et la trier. Et je l'ai estimé que c'est lui-même par rapport avec confrontation de fait qui le doit être de madame. Il lui souligné que c'était pratiquement impossible pour aller à Kaye. Pour aller à Kaye. Avait dit pour le traverser route nationale numéro 1 pour l'attendre la Kaye. Jusqu'à ce que madame lui-même vienne présenter de nouveaux certificats médicaux pour dire qu'elle a aggravé l'hypatite pendant le pays. Et bien, qui ça, je l'ai expliqué dans l'ordonnance là. Moi-même, c'est pas moi qui a apprécié, non, mais ça, je l'ai expliqué. J'ai expliqué qu'il y a deux institutions dans le pays. Service immigration et immigration. Je l'ai écrit pour demander mettre à la disposition liste voyage Madame Saint-Ville. Avait dit entrer et sortir pour garder est-ce qu'effectivement Madame a fait monter et descendre entre Haïti et les États-Unis côté là elle prend soin. Mm-hmm. Pour une raison bien pour l'autre, immigration pas jamais fait suite à demande de cabinet d'instruction. Juge là préciser gagner en institution qui est le UCREF. Il écrit UCREF, il exige une enquête sous sa madame n'a possédé, sous bien madame n'a, sous l'argent madame n'a. Pour une raison ou bien pour une autre, UCREF pas jamais eh bien fait suite à demande là voir Volta mettre un rapport disponible pour dire oui il te fait enquête là mais qui ça le joigne. Et juge l'a dit compte tenu que de l'aide d'expiration lui-même lui privé dans bout lui lui rend ordonnance mais qu'on y a là gamin qui t'a dit vu force son juge instructeur puissance son juge instructeur est-ce que là nèg qui dans tête immigration yo bon c'est poser pas poser question m'pa qu'on a dans la loi est-ce que nèg qui dans tête immigration yo qui dans tête UCREF juge la pas de capacité pour lui pour le baronner et tant ton action contre Nexaire vous dit bon pour refus de collaborer pas comme ça j'avais fait le boulot dans quatre dossiers oui à pas non quoi qu'on ordonnance comme ça il était rendu sous dossier Yuria il était voyer Lambert quoi correctionnel pour qui ça c'est parce que Lambert pas de voulait collaborer selon juge là avec la justice. UCREF UCREF, écrit Lambert. Vous comprenez? Il pas te répondre. Lambert t'a décidé cacher ces informations. Est-ce que dans cas ça va pas valable? Ou mandé UCREF font travail, juge instructeur, ou mandé responsable migration et migration, on série de données qui grand pour voyage madame là, le point résumé pour l'autre pas baoul. Oh madame là, il est important pour vous ou bien il t'a quand important pour vous dans cas d'instruction dossier. Donc est-ce que là la loi pas bon provision assez de provision souvelé? Vous êtes capable au moins mettre si monsieur Sao cap diriger deux structures Sao dans une situation difficile. Alors c'est si on a essayé de comprendre n'ont pas forcément gagné connaissance sur ça. Et puis juge l'a expliqué étant donné que le résultat enquête là pas disponible et que délai arrivé dans boucle et puis gagné des inculpés qui sont en détention préventive et faut qu'ils respectent droit et madame Osmi la petit frère elle était citée à titre de témoin pardon dans dossier ça. Cependant, rapport d'enquête UCREF là non disponible, capable toujours transférer au parquet pour les suites de droit. Et puis il dit institutions comme UCREF et ULCC travaillent pour le parquet, donc commissaire gouvernement capable toujours s'il estime nécessaire saisir le cabinet d'instruction pour suivi judiciaire. Voilà en quelque sorte pour les données sur l'inculpation de madame Edwine Tonton. On allait très rapide pour France Idriss avec le ministre Pierre Coudné Guerrier. Très rapide parce qu'il est à cheval sur nous là. Maintenant, qui ça vous dit pour France Idriss? Eh bien, dans l'ordonnance, vous rappelez que Mme Tonton, elle fait privé la direction CAS, lui présente à la presse deux boîtes qui gagnent là-dedans plus de 7 000 chèques que vous mettez par vignes derrière dans la caisse assistance sociale
parce qu'il était exigé ces bénéficiaires eux-mêmes qui pouvaient venir des chèques. Ouais, à caisse assistance sociale, tu as découvert l'existence d'un laboratoire de production de faux documents officiels dans le niveau service informatique CAS là. Et dans le moment de perquisition 11 juillet 2022 à la CAS, agent unité de lutte contre la corruption, yo te joint sur ordinateur et CAS yo un ensemble de faux pièces qui dataient sous administration monsieur Franz Idriss là. Et fausses pièces ça yo yo te produit souvlé selon rapport ULCCA par des employés du service informatique qui ont même utilisé des photos des lieux de naissance, des noms et prénoms de différents monde selon besoin. Et fausse identité ça selon rapport ULCCA, yo te trouvé sous liste bénéficiaire CAS côté nom de 7000 chèques. Yo pas venir récupérer par leur soi-disant bénéficiaire depuis les Franz Idriss lui-même les quitté direction caisse d'assistance sociale là. Et je l'ai souligné bon mandat de comparution qui était adjoint ou qui était signifié à monsieur Franz Idriss à travers parquet tribunal première instance Port-au-Prince. Cependant monsieur a refusé mettre point de pied devant juge instructeur qui par la suite lui-même d'avoir transformé qui d'après les mettre souvelé un mandat d'amener à l'encontre de inculpé ça, c'est-à-dire qu'il d'après transformé et mandat de comparution hein, à un mandat râlé ou bien marie mais invini. Dans moment payroll qui était fait en vain, payroll 14 000 chèques et bien on te joint souvelé Grégory Lubin 14 000 chèques ça yo il était récupéré et puis négocié, tandis que une seule décision que madame Tonton lui-même te prend souvelé moitié dans chèque ça yo pas réclamé par moun qui soi-disant bénéficiaire, ça qui confirmé que Franz Idriss lui-même li était dans tête un réseau et bien pour te bay l'ordre pour émettre une série de chèques au nom d'une série de bénéficiaires fictifs et réseau ça li te gagné sûrement les moyens pour négocier chèque yo et puis encaisser malhonnêtement souvelé l'argent que l'argent contribuable qui destiné à des personnes vulnérables. Et puis indice qui lié à ça reproché monsieur Franz indicio yo palpable, par exemple il parlait de abus de fonction, il parlait de association malfaiteur qui prévoit et puis qui punit dans l'article 224 225 et suivant code pénal 5.5 loi 12 mars 2014 qui gagne pouvoir prévention et répression corruption. Pour finir, qui ça a dit sous Pierre-Rico Audenay? Pierre-Rico Audenay n'a pas appelé ses ministres affaires sociales là. Il dit que les assistants sociales sont direction technique ministère affaires sociales et du travail. Nous pas même si c'est pas rappeler ça, même si monde qui l'a de comporter en directeur général. CAS est créé par le décret de la loi du 9 décembre 1938, dont certaines dispositions ont été amendées par les lois du 28 avril 1939, du 25 novembre 1944 et du 26 mai 1971. Directeur CAS, là, c'est ministre Affaires sociales là, qui nomme il a pour mission principale pour veiller sur bon fonctionnement et particulièrement mise en application politique ministère Affaires sociales et du travail en matière de protection sociale. Conformément aux articles 2 de loi 26 mai 1971 là qui modifié par l'article 3 de loi des finances 2012-2013 là, ressources sorti dans 1% et bien yo prélevé mensuellement sur tout salaire yo payé employé public yo et non public yo et 10% recettes que yo recevoir à partir de contributions foncières de propriété bâtie ça relé CFPBA. Eh bien madame Tonton dans moment li t'a répondu une question juge la guerrier du seul dans moment audition là dans cabinet d'instruction 19 avril 2023 li déclaré depuis plus passé 3 mois ministre affaires sociales et du travail là te procédé à transfert Joran Fanor administrateur CAS dans l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, à titre de consultant, sans lui pas de jamais remplacer. Donc,
CAS vient fonctionner pendant longtemps sans administrateur. Tandis que comptable lui-même, il était retourné dans l'ancien poste li, dans le ministère commerce. C'est-à-dire, Joanne Fanor, depuis 3 mois, ministre affaires sociales a été transféré dans l'ONA à titre de consultant. Et puis Pierre-Richard Vallès lui-même est retourné dans le poste initial li, dans le ministère commerce et industrie. Presque une année après conférence de presse directrice CAS, là nous songe l'elle t'a présenté pile chèque yo moun pa vinn pran yo gon réseau de faussaires au niveau de l'institution qui spécialisé dans fabrication de faux documents, nous dit ça déjà, pour capable faire émettre plus de 7000 chèques en plus de nombre qui t'a doué émettre là, tandis que ministre là pas jamais recevoir aucun rapport et il pas jamais exiger aucun rapport tout, alors que direction caisse assistance sociale lui-même concernant chèque là, mais concernant chèque yo, tu as fait gros scandale avec ça, la presse parlait de lui, tout le monde parlait de lui, mais pour un réseau pour l'autre, le ministre t'a fait la sourde oreille. Madame Edwin Tonton t'a déclaré dans le cabinet d'instruction, toute décision qu'elle prend dans tête CIS, c'est le ministre affaires sociales là même, ministre de tutelle qui a approuvé. C'est vrai, il dit il pas fait de rapport écrit, mais il a autorisé l'agir à partir des appels téléphoniques. Ma konn sou konprann non gen. Ça dit pas un document écrit. Pas un document côté ministre là, lui-même li signé pour l'autoriser directrice là agir. Cependant, il y a eu de bons rapports au sept coup de fil. Ministre m'a fait ça, m'a fait si go. C'est ça madame n'a dit le déclarer. Ma konn sou konprann. Il fait déclaration ça dans le moment il t'a répondre une question juge là. Un peu, je l'ai rappelé que CAS placé sous tutelle ministre des Affaires sociales, nous dit ça déjà. Et à ce titre, le ministre a disposé plein pouvoir de gestion. Respect la loi et puis fait triompher intérêt public supérieur. Là. Ministre Pierre Kouadné t'est doué de par fonction li, c'est ça, je l'ai dit, veiller au respect des principes de la bonne gouvernance au niveau de la CAS. Donc si avec le ministre t'est au courant tout ça que t'as fait au niveau de CAS yo, mais pour une raison ou bien pas prendre les décisions qui s'imposent. Guerrier, Dieu seul. N'a pas fini avec dernier paragraphe ça. Côté juge l'a dit que Pierre Kouadné, il était cité comme témoin pour venir répondre une question juge instructeur et puis clarifier ensemble de faits qui mettaient à charge lui par l'inculpé Edwin Tonton et le ministre a choisi délibérément pour ne pas présenter au cabinet du juge. Et ce refus de témoigner, de se défendre, ils sont indices importants selon magistrat. Et magistrat Alébul dit que Pierre Kouadné, ministre des Affaires sociales, en dépit du fait que il était informé par Madame Edwin Tonton que il a pas le bail tête toute frais ça, et bien avec complicité comptable, administratrice, il n'est pas jamais dit rien. Hein? Il était juste quitté le champ libre à la nommée Edwin Tonton et ses complices pour piller la caisse d'assistance sociale, ça qui caractérisait infraction abus de confiance, Jean article 5.5 loi 12 mars 2014 qui gagne pour la prévention et répression corruption et article 19 convention des Nations Unies contre la corruption. Donc dernier paragraphe ça qui ça le dit, malgré ministre était au courant que madame Tonton bail tête toute l'argent ça, ministre était probablement ou bien possiblement bon quelconque intérêt dans agissement madame nan. C'est soit madame n'est madame se protéger c'est vieux moun ni soit tout carrément il était tiré profit dans ensemble ça madame n'a pas faire. Donc voilà pourquoi que dans motif yo et dans conclusion juge l'a mandé pour moun sa yo parmi yo Edwin Tonton, France Idriss, Pierre Rico Kouadné respectivement ancienne directrice, ancien directeur CAS, actuel ministre affaires sociales pour y aller juger devant tribunal criminel sans assistance de juge. Voilà pour un résumé, si vous voulez, guerrier, de cette ordonnance du juge Jean-Wilner Morin
sous dossier scandale de corruption qui impliquait Caisse d'assistance sociale CAS. Donc de commerce avec industrie Ricardin Saint-Jean n'a pas parlé à qui précisément concernant rencontre ça que ministère l'a dirigé fait avec plusieurs chambres commerce autour de crise haïtiano dominicaine. Non, c'est ça ministère communication rapporté dans yon communiqué yon fait sorti qui ça qui était dit en résumé dans rencontre ça et qui ça objectif l'entayé. Ministre Ricardin Saint-Jean, bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Johnny, bonjour à l'ensemble auditeurs de Radio Caraïbes. Toujours un plaisir pour nous chanter parler. On est disponible pour vos questions à venir. Oui, très bien. Donc, ministère commerce avec industrie rencontré différentes chambres commerciaux dans le pays autour de crise haïtiano-dominicaine. Non, c'est ça. Ministère communication fait sortir dans une note. Qui ça? Objectif rencontre ça, t'es exactement. Ok, merci, Gaël. Oubliez que crise qui a développé aujourd'hui entre des pays, hein, des conséquences par-ci par-là. Les conséquences sont évidemment sur la République voisine, mais surtout, il y a bien des conséquences que l'on va ignorer sur nous-mêmes comme pays. Dans ce sens-là, ensemble de ministres en fonction des secteurs, par exemple, avec instruction au gouvernement pour poser des actions qui sont susceptibles pour aider à absorber les conséquences de la crise à gagner. Comme nous connaissons, les relations commerciales entre Haïti et la République dominicaine sont assez élevées, surtout que nous sommes pratiquement deuxième pays en termes de rapport commercial avec la République dominicaine. On parlait de ça, la République dominicaine, oui, bon, non. Il fallait que nous lancer des consultations pour nous garder qui ça nous a défini comme stratégie pour nous absorber ce choc-là. Dans ce sens-là, nous pensons que la première rencontre à faire, c'est avec les principales chambres de commerce, puisque chambres commerciaux, c'est eux qui viennent là-dedans, ensemble de membres qui soient des investisseurs locaux, soit des importateurs. Il fallait que nous réunions avec eux pour nous garder qui réflexion qui a fait beaucoup de pas autour pour lié avec ça, on a fait comme réflexion pour en arriver avec des éléments de solution pour le très court terme, le court terme, moyen terme et peut-être arriver jusqu'à long terme, regarder comment nous avons réduit le plan d'instant pour que plus jamais nous pas trop victimes quand ce type de situation va bien pour le produit. Mm-hmm. Et qui ça qui sorti? Est-ce qu'il y a qui ça rencontre ça comme. Nous rendons compte à travers rencontre le niveau d'inquiétude que nous-mêmes au niveau de l'État, nous avons fait que nous cherchons des éléments de solution, lui aussi manifester la caille ses partenaires du secteur privé des affaires. Dans ce sens-là, la décision que nous avons prise, c'était essayer d'identifier ensemble d'importateurs qui importaient de la République dominicaine, essayer de garder qui ça you importé. Essayez de garder ça et importer qui ça a très court terme nous a fait là en Haïti et qui ça a court terme nous a renforcé cette structure qui est disponible en Haïti. Bon, pour exemple. Je veux dire, nous identifions autour de 25 importateurs qui importaient autour de 81% de sac à sortir en République dominicaine. Maintenant, fallait-il que nous discutions avec chambre de commerce pour nous définir ensemble des mécanismes et nous rendons compte que une série de produits qui a importé vers la République de la République dominicaine, c'est des produits que sous terrain, il y a certains, je dirais, des gens qui ont investi localement, qui non seulement produisent, mais qui surtout. Il y a des capacités installées qui ont fait aller au-delà de ça qui a produit aujourd'hui. Je répète souvent, guerrier, pour me dire que la crise n'a pas toujours gain, ça nous a comme conséquence négative. Il y a toujours source d'opportunités aussi. Et c'est pour ça, nous avons une série de produits que nous identifiés qui sortent directement de la République dominicaine. Il y a des entreprises en Haïti aujourd'hui
non seulement qui a produit, mais surtout qui a une capacité installée pour aller au-delà de sa fin comme production. Là, nous entendons avec Chambre de commerce une prochaine rencontre après dès mercredi pour nous définir de concert avec ces entreprises qui accompagnent l'État capoté pour assurer que la capacité installée au gain augmente pour à court terme et essayer de combler vite ça par rapport à ça qu'on exporte, nous qu'on importe de la République dominicaine. Par exemple, bon, quelqu'un produit ça pour nous dire, bon, pour produit qui sort de la République dominicaine, ma pour dog par exemple, permettez-moi, pour exemple, pour produit dog. Mais il y a deux entreprises en Haïti qui se carissent avec top of dog, non seulement qui a produit dog là, mais qui a une capacité installée pour combler la différence ça nous t'apprendre de la République dominicaine. Là. La finalité, c'est que c'est la rencontre que nous avons bien à partir de mercredi, c'est définir qui accompagnement pour l'État pour que la capacité installée ça qui n'est pas utilisée pour aller là-dedans, pour assurer que nous produisons plus grande quantité pour que désormais. Parce que ça a développé comme bilan là, il y a des choses qui sont réelles. On dit que ça, c'est Haïti le produit, c'est son produit ici, même de meilleure qualité, de ça qui a fait des jeunes noirs, qui accompagnent l'État Kabaye, entrepreneur ça, pour assurer qu'il y a produit à plein capacité pour combler ça. Je vais prendre par exemple, si on a dit farine, je vais prendre farine par exemple. Mais farine qui, en Haïti là, nous gagnons groupe Azuka, nous gagnons les céréales d'Haïti, c'est des entreprises qui produisent farine. Finalité là c'est chita avec entreprise ça yo dio qui accompagne qui ça pour l'État offrir je dis et là m'a de la gueule parce que je m'a dit c'est pour un compte ministère commerce pour un compte ministère commerce c'est une instigation ensemble de gouvernement okay. C'est pour dire que c'est des mesures c'est pas des mesures pas les médias là comme si vous émoutez en l'air pour faire médiatique c'est des bails réels. C'est vrai réel qu'on a profité de ça gain là comme crise pour plus jamais nous réduire le niveau de dépendance dans le niveau que nous sommes capables de certains produits qui a fait en Haïti qui c'est pas des produits que vous pouvez faire qui a fait déjà en Haïti qui a fait plus que ça à faire pour nous garder pour nous comment capable accompagner pour que nous essayer réduire la dépendance dans notre type de produit ça. Et est-ce que entrepreneur qui était dans rencontre là par exemple qui est habitué à acheter fait commande de produits ça y a quoi hot dog farine ou parler là en République dominicaine qui expliquait qui fait que au tourner vers République dominicaine au lieu que yo t'a le joindre en dit entreprise ça y a qui même en Haïti qui a produit avec les principaux responsables des chambres de commerce okay. Qui la donnent ensemble de membres dont nous va parler la guerre. Faut de réunir avec chambre de commerce avant okay. Ce que nous sommes fait là nous la prochaine rencontre les planifier avec importateur directement okay. Okay. À partir de mercredi prochain mais dans l'intervalle ça nous la guerre faut c'est que il y a des produits nous des monde qui produit localement oui. Nous avons produit localement, c'est pas eux qui le font, qui importent tout le monde, d'accord avec nous. Ça veut dire que c'est des produits à importer, alors que vous produisez localement, s'il y a des accompagnements, des renforcements qui font son entreprise qui a produit localement, il y a une capacité pour couvrir différentes importations. Et c'est pour ça que l'État prend toutes dispositions nécessaires et obligatoires pour accompagner le type d'entreprise qui a produit localement. Non, pas pour tout produit, malheureusement, nous ne pouvons pas faire des magos. C'est pas pour tout produit, parce qu'en réalité, il y a des produits. Par exemple, dernière fois, le gouvernement réuni avec ensemble de communes frontalières pour assurer que l'accompagnement, l'État mettait disponible. Nous avons réuni avec magistrats, délégués, tous les responsables pour que il y ait des projets qui allaient dans le produit cycle courant pour assurer que des produits qui ont 2 mois, 3 mois pour eux. Bon, c'est des dispositions que le gouvernement prend de concert avec les communes frontalières. Mais on a touché toutes les questions pour assurer que les conséquences qui ont découlé obligatoirement depuis ça. Nous absorber au niveau que capable et assurer que dans l'avenir que qu'on certaines dépendances que nous diminuer de l'importation de produits de la République voisine. Par exemple gain œufs qu'on consommer en pile nous identifier de entreprises qui bazon bagaille c'est dommage une petit gros producteur chez nous qui en Haïti c'est entreprise de Haïti Wallace qui a produit presque je veux dire presque 10 millions presque 10 millions par mois
et malheureusement nous c'est censé fermer des lieux, ça c'est la Croix des Bouquins, non? Justement okay. Et parallèlement alors, fermé à cause de l'insécurité qui est là, justement ça sont faites. Parallèlement ce que nous avons mission pour nous lancer là, c'est à travers ensemble direction départementale yo, peut-être que ça nous cap dire son projet parler sur le moyen terme, puisque il est défini. Nous avons instruction pour avoir différentes directions de départementales. Ils ont essayé de recenser ensemble de petites et moyennes entreprises qui sont en production ça, et avec qui accompagnement que l'État a mis nécessaire. À travers le programme qui nous dispose déjà dans le ministère du commerce. Même pas de bagaille qui ont été gens étonnants, parce que là, c'est 25 importateurs qui ont importé près de 81% de sa capacité de la République dominicaine. Et malheureusement, et dans 25 importateurs, ça y est, nous pas rejoindre des importateurs qui importent des œufs alors que nous consommons presque un peu de millions par jour. C'est pour dire que l'importation des œufs est presque c'est des petites entreprises qui ont camion qui rentrent en République dominicaine, qui achètent, qui fait va-et-vient. Et c'est pour ça qu'on a essayé de conserver un dollar avec ensemble de directions départementales, essayer de garder des entreprises, puisque grand pile l'entreprise, parce que pas bien que avant de ministre nous avons dirigé un programme qui est PAPEJ, nous avons financé pas moins de 40 entreprises qui ont fait production ensemble des pays. Certainement c'est des petites entreprises qui peuvent demander des accompagnements additionnels pour renforcer la capacité de production. Ça sont mal qui cap vini c'est pour le très très court terme, étant donné que je gagne l'autre tous qui sont sortis pour entrer en Haïti, n'a pas regardé pour nous qui accompagnement cabaye, mais certainement méthode n'a pas choisi pour nous gérer l'autre type d'entreprise ça me fait ce dollar là, les autres gens différents pour le secteur ça touche là que dans un compte n'a gagné à partir de mercredi ou jeudi, je me rappelle pas la date. Ensemble n'a défini des mécanismes pour nous venir de République dominicaine avant même nous aller vers l'autre marché. Par exemple, République dominicaine lui-même et gouvernement annoncé qu'il y a pas regardé si on t'a joindre l'autre marché pour écouler on sait des produits et malgré yo te konn consommer yo te konn produit yo exactement pour Haïti, c'est ça qui fait gen moun qui wè gen pile produit qui obligé gâter. Donc est-ce que ça t'a veut dire est-ce que pas gen dans l'idée nous non objectif nous pour que après nous fin garder qui ça et nous gagner localement pour ta aller vers de l'autre marché et pour capable au moins permettre que nous gagnions consommation. Disons soit ensemble des mesures que nous apprenons en même temps. Bon exemple, nous parlons par exemple de hot dog saucisse que les entreprises en Haïti ont fait. Mais nous ne pouvons pas ignorer que, par exemple, hot dog avec saucisse, il y a des entreprises qui produisent en Haïti, mais il y a des matières premières que vous prenez en République dominicaine et au Brésil pour produire hot dog. Okay. Certainement, pour hot dog, la continuer à produire, même si nous allons renforcer la capacité d'entreprise pour continuer à produire hot dog, mais les matières premières, il faut que je vienne. Sous base ça, nous allons définir des mécanismes avec l'entreprise. Là, par exemple, si nous avons des matières premières qui sont sorties du Brésil et République dominicaine, je dis à la frontière la fermée, eh bien, l'État va définir des mécanismes pour du sortir du Brésil et l'État prend toute disposition pour l'assurer que les diminuer au maximum possible droit de douane qui pour faire que le volume de produits qui entre dans les comptes pour dominicaine que le parle obligé prendre au Brésil exclusivement pour l'État assurer que ce choc là pas tomber sur l'entreprise. Oui, d'abord le parle qui implication la douane non ça n'a pas vivre là dans ensemble décision gouvernement bien pour prendre, parce que c'est vrai la douane si dernier moment ça a annoncé que collecter en pile l'argent pour l'État, mais il y a monde qui plaignait pour quantité exagérée yo mettez sur ensemble de produits qui a privé en Haïti yo. Donc est-ce que nous pas prévoir rencontrer ou bien garder qui ça disposition capable pour favoriser entreprise yo et que produit yo capable rentrer à un coût qui pourrait permettre que retomber il pas venir exagérer sur consommateur final. La douane fait partie de l'État. On dit la douane, c'est pour un espace privé. La douane fait partie de l'État. Si l'État a des mécanismes la mettre en œuvre pour favoriser des débats positifs pour la population, ça veut dire c'est ensemble instance dans l'État qui mobilise
pour assurer que chaque monde exécute ça ou bien pour exécuter dans ce cadre d'activité ou sous instruction gouvernement. Mm-hmm. Et ça c'est peut-être pas dans ce sphère ou puisque c'est agriculture, mais il y a des gens qui ont mis là qui m'a demandé qui accompagnent par exemple pour agriculteurs dans l'Artibonite. Là on a parlé de qui habitent produits du riz par exemple. Et sur question engrais, ça c'est peut-être une question pour le ministère de l'Agriculture, mais c'est l'État quand même. Et nous connaissons question insécurité qui gagne dans la Tibonite, les conséquences sur plantation du riz, en pile paysan qui est obligé de quitter. Et gagne toute question engrais qui vient cher sur le marché. Lorsque nous connaissons l'État, il investit dans ça. Est-ce que, dans le niveau gouvernement, de façon générale, nous pencher sur la question ça? J'aime ce dollar, son mobilisation générale et globale qui gagne au niveau du gouvernement pour nous mettre en œuvre tout ça qui a gagné comme mesure pour nous assurer que conséquences directes de ça, à travers faire du frontière, au niveau ministère commerce, par exemple, nous faisons évaluation. Comme ça là, regardez, on sait des entreprises qui de production qui ferment et pour qui raison et c'est contacter mettre entreprise ça pour qu'on ait qui ça passé. C'est vrai qu'on connaît un paquet d'entreprises jodi là qui ferment à cause de phénomène insécurité hein. Mais regardez, est-ce que pas gain de moyens et que capable relouvrir. Mais c'est ça me fait que ce doula guerrier n'a profité tout ça déjà de commencer entrevue en dit que Crisio pas toujours gagné. Dans l'État, oui, mais rapidement. Question usine d'Abonne, ministre commerce. Je ne sais pas si vous avez une idée d'investissement ça, qui là, qui est presque crasé, parce que usine n'a pas gagné. Ça pas gagné. Peut-être un bon petit temps, vous avez relancé, mais qui encore fermé. Est-ce que. Évoquez le problème ça pour moi, s'il vous plaît, dans le niveau. Gouvernement qui ça qui empêchait que usine d'Abonne qui Léogane pas qu'à fonctionner. Certainement, heureusement vous dites que contacter ministère de la culture là. Non, honnêtement, m'a toujours dans toute interview. Nous sommes solidaires les ministres. On pense que les explications fonctionnent des secteurs liés. Les plus faciles pour ministère sectoriel en fournir explication. Mais parallèlement, j'en dis que par solidarité, on a continué évoquer ça pour nous. C'est recueillir ensemble d'informations nécessaires. Et prochaine fois, dans la Radio Caraïbe, même si ce n'est pas moi, ministère que je suis là, mais autant que ça mène comme information, m'a bien pour me discuter. Et peut-être qu'on a cherché à réaliser une interview toi, avec le ministre de l'Agriculture pour plus de détails. Merci un pile, ministre Ricardin Saint-Jean. Mais bon, moi, ça rapidement. Par exemple, une équipe produit là qui a sorti République Dominicaine, peut-être ou vidéo que le fait que vous n'avez pas traversé frontière là, donc vous été pourri. Est-ce que ça t'a dit que le marché dominicain est saturé et que tellement de produits qui fait que produit ça n'avez pas vendre à Dominicain, que vous êtes obligé de gaspiller, ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes produit spécifiquement pour Haïti et qui. Ça nous fait par exemple dans le ministère du commerce, est-ce que nous gagnons en termes de qualité, est-ce que nous fournissons garder sous contrôle de qualité à produit ça? Je pense que sous Agmoël Guerrier, le fait qu'on produit destiné à un pays après 2-3 jours, les gâtés, c'est que quelqu'un qui va respecter. Il n'y a pas de problème, profiter de la crise pour nous développer. Espérer qu'il ne va pas le faire trop, il ne va pas le gagner politique contre la donne. Nous allons imposer des normes sur les produits qui absorbent la République. Pas oublier que le bureau haïtien de normalisation, c'est au dedans du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons regarder comment nous allons imposer certaines normes pour assurer que des produits qui vont entrer dans le pays, c'est des produits qui respectent les normes qui sont définies par l'instance qui vient pour gérer ça en matière. Voilà. Merci un peu, le ministre. C'est un plaisir. Voilà, ministre commerce et industrie Henri Cardin Saint-Jean qui était en direct avec nous contrainte temps fait nous pas en tout cas et aborder de l'autre sujet à cli matin probablement on a fait gain pour faire ça non jou camp vinio ban nous retourner avec actualité qui c'est situation tension qui gagne dans commune Croix des Bouquets dans commune Cité Soleil donc climat qui continue été fragile dans commune Cité Soleil ak toute la plaine du cul-de-sac là côté en pile rafale coup de zam chanté une fois encore après assassinat Tyson chef gang dans raquette là dans commune Cité Soleil
ni agent exécutif intérimaire Isaïe Bouchard, ni membre résistance pour Haïti, yo lagué responsabilité des ordres qui gagnent dans pays sous deux autorités en place yo qui pas jamais prend aucune disposition pour résoudre problème gang examio. Un reportage Jean-Georges Blaise. Jusqu'à journée jeudi 28 septembre, le climat continue à être fragile dans un banc de quartier dans Port-au-Prince qui tape sonné en bas rafale coup de zame automatique. Il y a une situation qui cause un pile moun obligé d'être à porte fermée d'abord dans un bidonville cour Cité Soleil qui toujours en bas gros tension, surtout après assassinat Tyson comme chef base dans raquette jusqu'à Douya. Qui donc, malgré climat, t'es déjà pas de plus bon passé ça dans zone non. Habitant cité a pas gain dormi danger selon témoignage pour ancien magistrat Isaïe Bouchard, ça cap passé là, ville mettait à petit clou dans souffrance population. Activité au ralenti, toujours des coups de balle cap tiré et ni en dans cité ni au niveau zone voisinante, mais c'est pas guerre, gens qu'on gagne en haut en bas. Mais pour l'instant, on pense que timidement bagarre a fini par résoudre gens que Ateo qui gagne là. Bon, je peux dire que c'est un problème interne entre Genève et Genève. Mais eux-mêmes ont décidé de le résoudre. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'affrontement entre en haut et en bas. Même pas dit que ça, tu es dans quoi des bouquets. Tabac qui n'est pas épargné non plus. Qui gens habitent en zone, ça a réveillé pour journée 1. Bolivar Jean-Anderson a expliqué. C'est pour le sabac à banne. Et chaque fois qu'il y a un sabac à banne, c'est un abri pour prendre des terrains pour écouter les GTO parce qu'on est plein de nombres encore. Écoute Zam ça ou vini surtout après assassinat chef gang raquette là Tyson comme allié G9 qui tombé en babal même famille et toutes des autres yo ces populations capé pour casser d'après ancien agent exécutif intérimaire Cité Soleil là qui très critique face avec gens autorité en place yo à gérer dossier sécurité a. Même monsieur G9 yo té gon problème entre eux même notamment Mathias bien qui rivé tuer Tyson avec plus passé 6 soldats plus 4 l'autre fi. Tyson là c'est chef raquette et m'te dit raquette Drouillard Botebo rivé juste non près Carrefour Vincent. Et Tyson n'a pas petit Cité Soleil, c'est mon petit chéri, c'est ancien soldat Tirogan. Mais Tyson depuis bien des temps t'es toujours à détourner camion, voler camion monde, marchandise monde, malheureuse, y compris grenègue tout. Mais maintenant yo monsieur Damand dans Genève fait demander pour qu'on trêve pour que moun pas voler encore dans zone yo. Dans zone Genève, bien contrôle yo, ben Tyson dit lui-même le chef, il battait des monde, ils sont général. En tout cas, selon information yo, il y a une dizaine de monde pour pipiti, parmi eux quatre femmes perdu la vie dans Cité Soleil, sans compter Kay qui boulait dans pleine pendant conflit ça qui mettait face à face G9 qui semblait divisé. Une semaine après, initiative, y aurait les vivre ensemble. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci en pile Jean-Georges Blaise. 2439 moun mouri assassiné, 951 les autres kidnappés depuis commencement l'année 2023 à cause violence gang Axamio nan pays d'après yon dernier rapport au commissariat.